Bonjour à tous. Une journée de funérailles est un moment exigeant, puisqu'il met en lumière qu'une personne que vous avez connue et aimée a quitté cette vie. Mais cette étape sur votre chemin est une opportunité de pouvoir signifier à Francine toute l'affection que vous avez pour elle, surtout que sa vie tout entière a été axée sur l'amour. C'est donc à son tour aujourd'hui de recevoir. Par cette rencontre, vous reconnaissez que Francine a laissé dans vos vies des leçons, des enseignements et de nombreux souvenirs qui sont précieux pour vous, que vous allez conserver de son passage, et que ce sont justement ces souvenirs et ces liens forts que vous avez eus avec elle qui vous réconforteront quand elle vous manquera. Je me nomme Hélène Giroux et ce n'est pas mon premier contact avec la famille, puisque j'ai également eu le privilège de pouvoir vous accompagner lors du décès de Richard, l'amour de sa vie, et dont les funérailles avaient aussi été célébrées dans ce salon. C'est donc touchant pour moi de vous accompagner à nouveau pour cet autre pan de votre vie. Sachant que Francine avait une belle spiritualité, j'ose espérer qu'ils sont à nouveau tous deux réunis après plus de 50 ans de mariage et des deux filles rencontrées ensemble. Certains d'entre vous assistez à cette rencontre en présence. D'autres vous accompagnent aussi à distance via la diffusion web du salon. Sachez que peu importe de quelle façon vous rendez hommage au chemin parcouru par Francine, cette affection que vous ressentez pour elle sera réconfortante, vous sachant accompagnée par d'autres personnes touchées aussi par son départ. J'espère que malgré votre chagrin, cette cérémonie soit réconfortante pour chacun et chacune d'entre vous et qu'elle vous permette ensuite de pouvoir poursuivre votre chemin sereinement. En mon nom personnel et celui du salon, veuillez accepter nos plus sincères sympathies. Votre présence est déjà significative de l'affection que vous éprouvez pour Francine et de votre souhait de rendre hommage au chemin qu'elle a parcouru. Mais on va aussi honorer son passage par des textes à réflexion sur le sens de la vie et de la mort, par un court bilan de sa vie, par des gestes significatifs et de la musique que la famille a spécialement choisie pour elle et qui ont eu un sens sur son chemin. Tous les événements significatifs qui traversent notre existence sont soulignés par des rituels. Et le décès d'un être cher fait partie de ces événements qui arrêtent le temps pour un moment, parce qu'ils nous marquent de leur passage. C'est pourquoi, en cette journée où vous avez le désir d'honorer le chemin de Francine, je demanderai dans quelques instants à ces trois filles, Sandra, Guylaine et Katia, de venir poser le geste d'allumer une bougie, qui est un geste habité de l'intention d'envelopper d'une aura de paix ce moment que vous vivez aujourd'hui. Francine a eu aussi la grande joie d'accueillir dans son cœur et ce bout de chemin de 76 ans, l'arrivée de petits-enfants et d'arrière-petits-enfants. Quand les bougies seront allumées, ils viendront déposer une fleur pour leur mamie en signe d'affection. Et une fleur sera également déposée au nom de Pamélie, décédée du cancer il y a quelques années, mais que Francine a assurément retrouvée vu ses croyances. Et pendant que tous ces gestes seront posés, une autre pièce de musique vous accompagnera. May it be an evening star. Oh.
Que vous soyez les enfants, les petits-enfants ou les arrière-petits-enfants de Francine, vous portez tous en vous une part de sa génétique, des valeurs qu'elle vous a enseignées, des leçons de vie qu'elle vous a transmises. Faire partie de la lignée des générations vient toutefois avec un certain engagement, et l'auteur Jean Guiton nous l'explique fort bien dans ce texte que voici. Même si le monde devait finir ce soir, il faudrait passer l'après-midi à préparer demain, car la vie attend quelque chose de nous. Notre part, et nous travaillons en fait pour demain. Ceux qui nous ont précédés avaient les yeux fixés sur nous. À notre tour, notre vue doit porter plus loin, car le présent n'est jamais qu'un lien entre le passé et l'avenir. Nous récoltons une moisson que nous n'avons pas semée, mais cette moisson est elle-même porteuse d'une semence dont nous sommes tous responsables. Et c'est ainsi que les générations s'enrichissent les unes les autres. Et justement, en parlant de la lignée des générations, au moment de sa fin de vie, Francine a eu un beau moment d'éveil et a tenu à ce qu'un geste très symbolique soit posé. Je vais laisser Guylaine vous en faire part. Mercredi soir, le 23 mars, tu étais, Delphine, à mon chevet. Par un bon moment de lucidité, tu jouais près de moi, comme mon cœur était heureux. C'est avec tout mon amour que j'ai décidé de te donner ce qui était très précieux à mes yeux, mon alliance. Tu l'as mise à ton index et tu t'amusais à la faire tourner. Quel beau moment tu nous avais fait vivre, Delphine. Ma vie terrestre étant terminée, je te la transmets en héritage. Cette alliance te rappellera l'amour que ton arrière-grand-père avait pour moi. C'est une unicité. Je serai toujours près de vous, mamie. C'est un magnifique geste très symbolique qui va justement perpétuer la lignée des générations. La mort et la vie sont deux étapes charnières de l'existence, mais aussi des sources d'enseignements précieux pour quiconque vient faire ce voyage terrestre. Voici un texte qui nous en parle davantage. Il s'intitule « Le train de la vie ». À la naissance, on monte dans le train et on rencontre nos parents. Et on croit qu'ils voyageront toujours avec nous. Pourtant, à une station, nos parents descendront du train, nous laissant seuls continuer le voyage. Au fur et à mesure que le temps passe, d'autres personnes montent aussi dans le train. Et ces personnes seront importantes. Nos frères et sœurs, nos amis, nos enfants, l'amour de notre vie. Certains démissionneront et laisseront un vide plus ou moins grand. D'autres seront si discrets qu'on n'y réalisera même pas qu'ils ont quitté leur siège. Ce voyage en train sera plein de joie, de peine, d'attente.
de bonjour, de revoir et d'adieu. Le succès du voyage est d'avoir de bonnes relations avec tous les passagers, pourvu qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. On ne sait pas à quelle station nous descendrons. Vivons donc heureux, aimons et pardonnons. Il est important de le faire car lorsque nous descendrons du train, nous ne devrions laisser que de beaux souvenirs à ceux et celles qui continueront leur voyage. Soyons heureux avec ce que nous avons et remercions le ciel de ce voyage fantastique. Et si Francine pouvait s'adresser à vous aujourd'hui, elle vous dirait sûrement « Merci d'avoir été un des passagers de mon train. Et puisque je suis descendue à cette station, sachez que je suis heureuse d'avoir fait un bout de chemin avec vous. » Chaque personne, le temps de son vivant, laisse des traces sur son chemin. Et j'ai appris que Francine en avait laissé beaucoup. Car elle vous a grandement aimé et n'a pas manqué de vous l'exprimer à de nombreuses occasions. Pour faire ce retour sur ce que fut sa vie et sur ce qu'elle vous a laissé au fil de son parcours, je vais inviter ses trois filles, Guylaine, Sandra et Katia, à venir à l'avant. Francine, maman, mamie, c'est comme ça que tu te prénommais. Fille de Vincent Ferrier-Claire et Florence Chagnon, née à Saint-Germain-de-Grandtam, tu as passé ta jeunesse à Saint-Étienne-de-Boulton pour convoler en juste noces avec l'amour de ta vie, Richard Touchet. Tu as été une maman extraordinaire. Aimante, présente, apaisante, rassurante, mais surtout bienveillante. Travaillante sans relâche, tu t'évadais le soir venu dans tes fleurs, ton jardin ou la lecture, toujours proche de ton homme. Vous êtes arrivés, toi et papa, à faire de nous trois femmes magnifiques dont vous étiez fiers. Ta carrière d'enseignante t'a amenée à laisser ta trace à travers des tas d'enfants du primaire. Ils ont tous un privilège de croiser ton chemin. Tes 51 ans de mariage sont aussi une grande preuve de ta fidélité dans tes engagements et ce, malgré les hauts et les bas d'une vie de couple. Tout un modèle pour nous. Nous avons pu grandir dans une maison remplie d'amour, de paix et de stabilité. Tu n'étais sûrement pas parfaite, mais à nos yeux, tu étais plus que parfaite. Tu nous as si souvent dit combien de temps tu nous aimais. Nous étions importantes à tes yeux et à ton cœur, et tu l'étais tout autant pour nous. La retraite étant venue, ton don de soi se faisait grandir. Tu t'es proposé pour garder tes petits-enfants, Laurie et puis Grégory, car oui, tu avais 6 petits-enfants dont tu étais particulièrement fière. Virginie, Pamily, Laurie, Grégory, Samory et Maëlie, que tu faisais gagner aux jeux de société. Merci, maman, de ces précieux moments. Par la suite, tu as continué à combler ton temps à t'adonnant à la lecture, le reiki, le yoga, le casse-tête et les fameux mots cachés dont tu soulignais d'un bravo, comme lorsque tu corrigeais tes cahiers d'élèves. Sans oublier que tu allais mettre des gouttes à ton amie Janine à tous les jours. Et tu as pu connaître ta première arrière-petite-fille, Delphine, qui a le même animal fétiche que toi, le dauphin. Et ton premier arrière-petit-fils, Arthur, né récemment, que tu as vu sur photo, qui sera suivi en septembre d'un autre petit poupon Saint-Onge. Comme tu te sentais bien entouré des enfants, ton regard s'illuminait et ton cœur redevenait enfant. Tu volais comme un ange. On se souviendra également de toi, de la femme rassembleuse pour la famille des Claires et des Touchettes, pour souligner les événements.
toi qui soulignais nos anniversaires comme pas une, car c'était important pour toi. Tu étais un pilier, forte comme un roc, on s'en souviendra. Le processus de la vie nous amène à une fin physique, mais sache que tu as et auras à jamais une grande place dans nos cœurs et souvenirs. C'est de là-haut que maintenant, tu nous regardes aller aux côtés de ton Richard. On t'aime et tu nous manques déjà. Tes filles, Guylaine, Sandra, Katia et leur famille. Merci à vous trois. Ce magnifique témoignage nous confirme combien le passage de Francine dans vos vies a été significatif. Et si vous assistez à cette rencontre, c'est que vous avez eu aussi le privilège de croiser son chemin et de préserver des souvenirs qui sont propres à chacun et chacune d'entre vous. Et que vous auriez sûrement aussi pu venir nous partager si ça avait été possible. On va donc prendre un temps de recueillement, où je vais justement vous inviter à retourner dans ces souvenirs que vous avez eus avec elle. Et pendant qu'une autre pièce musicale va nous accompagner, profitez de ce moment à votre cœur pour lui exprimer votre gratitude. Depuis toujours des questionnements sur le sens de l'existence, et d'autres y ont réfléchi avant nous. Ce texte dont je vous ferai la lecture propose une vision plus lumineuse de traverser cette étape du départ de Francine. Le texte s'intitule « Je suis juste de l'autre côté du chemin ».
La mort n'est rien. Je suis seulement passée dans la pièce d'à côté. Je suis moi, vous êtes vous. Ce que j'étais pour vous, je le suis toujours. Donnez-moi le nom que vous m'avez toujours donné. Parlez-moi comme vous l'avez toujours fait. N'employez pas un ton différent. Ne prenez pas un air solennel ou triste. Continuez à rire de ce qui nous faisait rire ensemble. Priez, souriez, pensez à moi. Que mon nom soit prononcé à la maison comme il l'a toujours été, sans emphase d'aucune sorte, sans trace d'ombre. La vie signifie tout ce qu'elle a toujours été. Le fil n'est pas coupé. Pourquoi serais-je hors de vos pensées simplement parce que je suis hors de votre vue? Je ne suis pas loin, juste de l'autre côté du chemin. Un jour de funérailles, bien qu'il fasse vivre des émotions diverses, nécessite toutefois d'attirer votre attention à tout le privilège qu'il vous fut donné de pouvoir connaître Francine, de la côtoyer et d'en garder des souvenirs précieux qui vont continuer de la garder vivante dans votre cœur. Alors que cette prise de conscience vous permette de traverser avec sérénité cette étape du chemin de Francine, mais aussi du vôtre. Puissiez-vous continuer de vous rassembler, de préserver les valeurs qui lui étaient chères, d'honorer ce qu'elle vous a transmis au fil de sa vie. C'est la plus belle façon de lui signifier que son passage a porté fruit et qu'il a laissé sa marque pour chacun et chacune d'entre vous. À titre informatif, l'urne de Francine sera inhumée ultérieurement au cimetière Saint-Étienne de Bolton. Alors, avant de poser le dernier geste, où vous pourrez venir vous recueillir près de son urne quelques instants, accompagné d'une dernière pièce de musique, je vais d'abord inviter Pierre Michel, représentant du salon, à venir vous adresser un mot pour la fin. Merci à vous tous de votre présence. Merci également de votre confiance et que votre route soit sereine. Alors, bonjour à vous tous. Mon nom est Pierre-Michel Fontaine. Je suis un des directeurs ici au complexe Le Sieur. Écoutez, premièrement, je veux remercier Madame Hélène pour ses si beaux témoignages. Elle a parlé avec son cœur, puis je pense que vous l'avez ressenti. Moi, en tout cas, je l'ai ressenti. Je tiens à remercier la famille de nous avoir choisis ici, à la Maison Le Sieur. Nous avons été honorés. Francine nous a quittés. Maintenant, voyez-la dans une belle bulle d'amour, une belle bulle de lumière, où elle va vous aider et vous apporter de la joie et de la paix. Alors, après la cérémonie, la famille se rendra à la Casa Grecque, ici à Granby, et vous êtes ceux qui désirent se joindre à eux sont les bienvenus. Je veux vous dire qu'ici, à la Maison Le Sieur, on ne dit jamais, jamais à bientôt. On vous dit plutôt de mordre dans la vie. C'est ce qui est le plus important. Mordez dans la vie avec passion, parce qu'elle est courte. Merci beaucoup. Quando manca il sole, se non ci sei, tu
mostra a tutti il mio cuore che hai acceso più dentro me la luce che hai incontrato per strada. Con te partirò paesi che non ho mai veduto e vissuto con te. Adesso sì li vivrò con te. Adesso si rivela.